ça va bien aller. Les pieds dans le boue, les mains dans le sol, la terre d'où je viens, c'est ma boussole. Quatrième d'un troupeau de 6, mes racines ont grandi dans la marge, sur le dessus d'une butte face au vent qui emmène large. J'ai grandi pieds nus, avec mes dentelles et mes tresses, enfant libre, sans peur et sans laisse. Et oui, il n'y a pas à dire, je suis chanceuse, je suis un cliché d'enfance heureuse. Une enfance où le bien et le mal sont évidents, où les anges sont réels et bienveillants, où les fleurs sont plus abondantes chaque jour, où il y a toujours une soupe au feu, un pain dans le four, où les chats, les poules, les amis imaginaires sont aussi jasants que les gens ordinaires. Une enfance où c'est normal de vouloir être bergère. Imaginez ma débarque en arrivant au secondaire. Mais ma boussole était solide. Malgré le vertige qui fait douter, malgré la peur des terres arides, j'ai embrassé l'envie de sauter. Certains veulent gravir les montagnes, d'autres les déplacer. Moi, ben, j'ai juste appris à les comprendre, à les deviner, à les observer du haut de ma butte, yeux dans les yeux, à savoir ce qu'elles promettent de temps beau ou plus vieux. Fait que les pieds dans la rue, les mains en vie, j'ai regardé le temps, j'ai trouvé le nord, puis je suis partie. Étrangement, j'ai fait ça tôt, ça prend de la place à un gros troupeau. Même au grand vent, le besoin d'air peut être assez fort pour faire de l'air. Fait que j'ai sauté en chute libre, puis je suis tombée. De la marge de la marde, il n'y a qu'un dé. Les terres qu'on foule, les sols qu'on prend, nous apprennent plus qu'on leur apprend. Mais qu'ils soient fertiles, généreux, cruels ou addictifs, les sols d'ailleurs ne seront jamais le sol natif. Car les pieds dans la boue, les mains dans le sol, la terre d'où je viens, c'est elle, ma boussole. C'est pas une attache ou un pôle d'attraction, c'est un parfait repère d'orientation. C'est un point fixe dans l'espace qui me permet de relativiser, un lieu où faire surface, prendre du recul, s'enligner. Fait que quand la vie me fait basculer vers ce qui fait mal ou ce qui fait bien, quand j'ai besoin de tout ou plus envie de rien, en rêve ou en vrai, j'ai envie d'y retourner. Prendre mes clics, mes claques, ma quid, mon char, sans m'annoncer, sans trop attendre, partir pas tard, rouler vers l'ouest, couper dans le bois, viser les monts, passer le détour, descendre la côte, tourner au pont, longer le lac, monter la butte, atteindre la cible, vérifier que le nord est bien vivant, que le bien et le mal sont évidents, puis me rappeler que je suis une enfant libre. Wow.